Allez les gens, c'est l'heure d'affronter Dragono-chan. Bon. Alors je garantis pas que ça va bien se passer first try, mais on va essayer. Allez-y mes serpents, crachez-lui à la gueule! Putain, vous avez tout loupé! Bande d'incompétents! D'accord. J'ai mal. Oh le con, oh, je fais de la merde. Ah oui, je fais de la gigabouze là. Je fais de la gigabouze. En même temps, ça fait un moment que j'ai pas joué. Faut pas m'en vouloir. Ah, fait un petit moment, faut le temps pour prendre les bases, tout ça, le stress qui monte, tout ça. Je crois que je vais faire apparaître mes doubles pour voir. Non, reste là, bouge pas. Allez-y les gros. Oh mais c'est une blague, j'ai appuyé. Ah ben oui, ça valait bien la peine de gaspiller sa mana, dis donc. Oh là là. Allez vas-y, tue-moi là, ça sert à rien que je continue là. J'ai 3/4 de la mana bouffée, vas-y, flingue-moi là. Allez vas-y, 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 je kiffe, ouais. Vas-y, ouais, 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 j'adore ça. Allez hop, allez vas-y. Vas-y, bouffe-moi le cul. Bouffe-moi le cul. Vas-y, bouffe-moi le cul! J'ai dit bouffe-moi le cul! Merci. Putain, les invocations qui servent à rien sur ce boss, quoi. Incroyable. Putain. J'étais bien sur Warhammer, sérieux. Pourquoi je me fais du mal sur ce genre de jeu? Putain. En train de farmer sur Warhammer, en train de balancer de la démocratie sur... sur Helldivers 2. Et maintenant je fais quoi? Je reviens souffrir. Vas-y, croque-moi là. Et tu vas me croquer, à tous les coups, tu vas me croquer, tu vas voir. Voilà, je... Et j'ai appuyé, putain. J'ai appuyé. Et il se passe quoi là? Mes réflexes, ils sont en grève là? Ok, d'accord, le bout de la queue n'existe pas en fait, super. Même Capcom ils auraient pas osé, hein. Même Capcom ils auraient pas osé. M'entendez? J'aurais peut-être dû prendre la compétence du bâton long en vrai.
que je peux toucher? Non! Oh putain, ce waste! Oh ce waste! Oh ce waste! Coup de queue, coup de queue, coup de flamme. Ouais, et puis merde. Putain, mais il se relève trop vite! Oh, génial. I can see shit. Ah, t'es pas contente? Ça te garde plein de redev. Mais pourquoi? Pas d'accord là. Ça va, j'ai compris, je vais mourir. Hey ma biche. Wouhou. Wouhou. Hein? Ah oui, grosse portée d'AO quand même. Bah moi aussi j'aimerais bien que Black Myth Wukong soit le jeu de l'année. Moi personnellement ce sera Warhammer Space Marine 2 mon jeu de l'année. À moins qu'on tombe sur un jeu vraiment exceptionnel entre septembre et décembre, mais... Malheureusement, avec la polémique qu'il y a eu sur les devs, à mon avis, ce bon Jeff Kelly va éviter de mettre Black Myth Wukong. Hein. Ah, je sais pas, je sens que le GOTY cette année, ça va être Final Fantasy VII Rebirth. Hein. Malgré qu'apparemment, les ventes n'ont pas atteint les attentes de Square Enix. Attends, vas-y, descends la tête. Oh, close enough. Pas close enough en fait. Absolument pas close enough. C'était un waste. Putain, c'est vrai que j'ai appuyé. Que, non, pas plus que. Ouais, coup de griffe. Non, c'est coup de queue après, non. Hein, pas de coup de queue. C'est bien généreux, dis donc, Shinryu, là. Oh, le coup de queue, il est juste là. Ouais. Viens te battre. Il se relève beaucoup trop vite quand il est stun, c'est un truc de fou. Il me laisse rien faire, ce... Waouh, d'accord. Alors ça, je m'y attendais absolument pas. Hop, 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 hop. Oh, 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 le décor. Merci le décor. Allez, donne-moi deux secondes, là. Ouais, coup de queue. Phase.
Pas encore assez vu la P2 pour la comprendre. Hein. Mis à part que courir semble être un bon choix de vie. Un très bon choix de vie même. Wow! Robert, calme-toi! Ah, sérieux, t'as loupé ça? Ah, ce jeu. Et tu veux bien arrêter de bouger là? Dans deux secondes. Ouh, oh, il y a des coups de queue. Ouh. Fire, dis donc, baby, hein! Oh, la chatte poilée que j'ai eue, là! Tension est palpable là. Les gens, j'ai la main qui tremble là. Où est-ce qu'on est? Ah, excusez-moi, monsieur. Wouah! Où tu dis que je pue là? What?
Allez, Piggy Bat, là, dégage. Oh, au moins le jeu a été généreux. Il nous a fait repopper avec notre gourde pleine. Trop de stress sur ce jeu. Hein? Hein? C'est quoi ce machin? Ouah, ça a du PV en plus. On fait une livraison de bonbons, hein. Eh, hey, Cylinder, merci pour les 15 euros. Oh non, y'a ma vie qui diminue petit à petit, là. Ces machins diminuent mon maximum de PV, je crois. Oh là là, oh là là. Oh le stress, oh le stress, oh le giga stress. Il est où? Je l'ai vu. Aïe, ça je l'ai pas vu. Oh, je suis en mode peblard là. Hein? Oh, je le vis mal là. Oh, je le vis mal. Oh, je le vis très mal. Oh, par contre, l'XP est de fou furieux qui file. Je peux les réaffronter. Hey, Benzaï X. Bah oui, qui connaît pas Benzaï? Encore d'un des rares youtubeurs que je regarde en vrai. Avec le JDG. Oui? Oh non. Oh. Attends, j'ai plus d'attaques là? Ouais, mais j'ai une troisième là. D'upgrade. Ils sont encore là ou pas? Vas-y, il y en a encore, j'ai envie de les taper là. Hop, 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 hop. Ouais, Benzaï, je l'aime bien parce que c'est encore un des rares qui est resté fidèle à lui-même. Donc j'avouerai que maintenant je suis plus streamer américain, enfin... Pas vraiment streamer américain en soi, mais... Je sais pas, pendant toute... Enfin, en ce moment, j'ai une période où j'adore regarder, vous savez, les gens qui réparent les... de l'électronique. Genre des PS5, des Xbox Series, tout ça. Oh. Franchement, on apprend plein de choses en regardant ces vidéos-là. Tananananana, Fartman! Aïe! Oh, je chope. Mais le jeu, laissez-moi au moins monter jusque là-haut! Merci. J'ai attendu un ennemi à gauche.
Ah. Hein? Attendez, j'ai ma vision qui... Ouh. Qu'est-ce qui se passe, là? Bâtard. Ah, mais attendez, ce serait pas lui qui me mettrait dans un état... Ah, ouais, je crois que c'est lui qui me met dans cet état-là, en fait. Ah oui, d'accord, vous voulez jouer comme ça? On va jouer comme ça. Ah bah non, on va pas jouer comme ça en fait, merci de m'avoir cancel. Une retraite anticipée est demandée. Ouais, me rendre mon âme, s'il vous plaît. Avec un bonus Big Mac, si possible. Henry. Oh, je l'avais pas vu venir. Ah bah c'est que temporaire l'effet, d'accord. On est tombé où là? C'est une représentation de l'enfer chinois ou quelque chose en genre? Je suis allé là ou pas? Y'a un doute. Ouais, je suis allé là. Oh là 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 là, où est-ce qu'on est, Lucette? Ah bah oui! Bien sûr! Voilà toi, hein. C'est nouveau ça. Dommage qu'on peut pas arriver dans le dos des ennemis en mode discret, vous voyez. Ah bah salut hein. Oula, oh, oh, le jeu là, je veux juste ouvrir ça. Une élégante bol à thé en porcelaine. Monkey fighting. C'est le monkey fighting. Fils de... Attends, j'arrive. Oh, c'est mignon, il m'a attendu, lui. Il a attendu que j'arrive pour taper. Enfin, pour se faire taper, surtout. Pas de monstre, pas de monstre, pas de monstre. Pas de construction, pas de palais. Pas de palais, pas de champignons. Ouais, non, pas les coups gratuits, casse-toi. Oh, Bat Piggy, casse-toi, là. Vas-y, descends, là. Putain, j'ai un bâton, j'ai une portée de 50 cm, là. Une illusion. Ouh, faut aller là-bas. Faut aller là-bas, ma Lucette. Oh, non, 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 pas maintenant. Pourquoi les ennemis sont tellement balèzes quand ils se passent en face comme ça là? Oh, vas-y, coup gratuit là. Ah, mais je peux pas y aller. Pourquoi il y a ces sauts sur les portes là?
Ouh. Ah, il y a un archer en plus. Ah. Oh putain non! Gigalouse. Gigalouse les gens. Allez-y mes frères monkey. Oh non, oh, oh, je suis tellement dans la merde, mais je suis tellement dans la merde, pourquoi il a fallu que je tombe? Oh sérieux, ce timer là? Comment on ouvre ça? Ouvrez-moi! Pas juste retirer le seau là qui est en plein milieu. En fait c'est marrant parce que quand t'as plus soif. Mais pute! J'ai rien dit. Pas grave. Pas grave. La mort fait partie de la vie, comme on dit. Non, non! C'est à quoi que j'esquive si je prends quand même la flèche dans le cul? Oh non, non, non. Tu pourrais se tenter de taper un sprint là en vrai. Ah oui, c'est bon, tu m'as tapé, t'es heureux. Allez, vas-y, casse-toi. Comme dans Dark Souls, on est mort, bêtement, tape ton meilleur sprint. Oh lui je vais le flinguer parce qu'il m'a touché. Lui douille ta mère. Ah. Allez. C'est cool, on fait plus de dégâts avec la avec le bâton maintenant. Tous les coups, je vais me faire. Oh non! C'est quoi cette zone, sérieusement? Qu'est-ce que c'est que cette zone, les gens? Pas le temps, là!
pas le temps. Je veux partir, mourir ailleurs. Rends-moi ma vie, le jeu. Rends-moi ma vie. Il m'a suivi ou j'ai rêvé? Il m'a suivi. Il m'a suivi. C'est marrant, j'avais espéré intérieurement que le jus de fruits serait là ce soir. What? Et tu peux me respecter avant de me déglinguer le cul? Quelque chose en bas? Ouais, ma mort. Rien ici. On va vraiment passer par le petit pont là? Je vais aller chercher un mode bazooka. Hein. Juste pris rattrapera en rediff, tout à fait. Vous savez ce qu'on dit, les absents ont toujours tort. Non, c'est lui qui a payé pour cette expérience de merde. Vous avez compris, quand je dis de merde, c'est par rapport à la souffrance, hein. C'est pas par rapport à que le jeu soit mauvais ou quoi que ce soit, hein. C'est... par rapport que je souffre. Bon, allez, pas tomber. Oh putain, j'ai déjà failli tomber. Oh. C'est bizarre parce qu'on dirait que c'est assisté quand on est sur la poutre. Attention, c'est ici que je suis tombé. Voilà, parfait. Mais couillon, t'es mort! Ah bah j'ai trouvé là finalement. N'oubliez pas les gens sur YouTube, hein, je suis aussi sur Twitch TV. T'as pas eu la notif, quoi, t'as pas eu la notif, on est pas sur YouTube. YouTube c'est deux, c'est trois notifs et après plus rien. Putain, je me fais bolosser par mes propres attaques, quoi. Ah, c'est que c'est comme cette Twitch, c'est comme YouTube, il m'aime pas. Du moins, il m'aime plus, hein. Terminé l'époque, hein, les 2 millions de vues sur la vidéo de Batman Arkham Knight. Oh non. Mais c'est quoi cette zone de ces morts? Pourquoi à chaque fois je prends un truc là? Je suis sûr que c'est lié à ce machin qui tourne là. Pourtant, dans la nouvelle Twitch TV, il n'y a pas de limitation de notifs à mes souvenirs. Hein. Bon, c'est nouveau. J'aime bien l'endroit lugubre, ah, pas moi. Enfin, c'est pas que c'est lugubre, hein. C'est cet effet là qui diminue presque de moitié mes points de vie qui est lugubre. Je suppose que les ennemis, vu qu'ils ont, les yeux rouges maintenant, ils sont 5 fois plus résistants. On fait 5 fois plus de dégâts, une connerie en genre. Allez, j'en ai vu un derrière moi.
Et pas qu'un, apparemment. Non. Et... Ça y est, le jeu. Tu t'es dit, vas-y, on lui a laissé... deux chapitres et demi, Allez, mais c'est sérieux, et en plus je spawn, je suis déjà en mode... Oh... Là, t'aurais pu... Voilà, t'aurais pu reset l'effet, le jeu, voyons. Comment ça se connaît, toi et moi, là, le jeu. Foutez-moi la paix un peu, là. Ça va, des flèches dans le cul, c'est pas ce qu'il y a de plus dangereux. Ok, 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 c'est bon, j'ai compris, là, allez, là. J'ai pas payé pour faire un remake des gangbangs interraciales de Mia Khalifa, là. Allez, t'as même pas annoncé ta flèche, connard. Contre toi, tu les glingues. J'aime pas. Et s'il nous poursuit, on va l'avoir dans le cul. Attendez, les bruits derrière moi, non? Ouais, Batman, check t'es dans le coin, là. Non, dans le coin. Bon, si je tape mon meilleur sprint pour aller jusque là... BAAAAH! Est-ce qu'ils vont venir m'agresser sur la poutrelle? Ouais, ils m'agressent sur la poutrelle! Ouais, par contre, le gars... Et pas, c'est où l'archer? Il est pas là. Allez, Ex, on peut le faire. Non, pas de câlin, toi. Aurélie, l'autre connard qui m'a agressé. Allez, prenons pas de risque. Sortons les brovers. Mais putain, mais je peux même pas te loquer, toi, quand t'es en l'air. Espèce de pigman là. Vous êtes sérieux les bros ou vous faites éclater par ce mec? Ah mais il a du PV en fait. Merci les bros. Je vais spammer la touche de lock parce que vu que c'est... On voit... Oh. J'en ai marre de tomber, hein. Tous les coups, il y a un ennemi dedans. Non, même pas. Bah, je suis presque déçu, hein. Il a l'air balèze, le monsieur, là-bas. Je sais pas si j'ai envie d'aller lui dire bonjour. Ah, mais il y a un coffre, vous pourriez lui dire bonjour. Attends, gros, viens ici, viens ici, viens ici, viens plus ici, ouais. Spin not a coffre time, spin not a coffre time.
Et on a quoi? Juste le tour de fer. Quoi? Plus preneur. T'as vu le scandale sur la dernière page de Elden Ring pour l'ajustement progressif de la difficulté qui a fait foirer et rendu le DLC trop facile? Bah! En vrai, je m'en fous un peu. Je vous avouerai, je m'en fous un petit peu. Si ça rend l'expérience un petit peu plus facile, tant mieux en soi, hein. Bah, je sais que les puristes ils vont râler en mode difficulté, j'adore ça, l'avoir dans le fion, tout ça, mais. Bah, certains ils ont pas envie de passer 15 ans sur un jeu, hein. Ok, pourquoi je suis venu ici en fait? Quelque chose en bas. Pourquoi je suis venu ici en fait? Je suis revenu à mon point de départ là, non? Que j'ai eu une clé pour Dead Rising Remastered. Ben là, en fait, ma demande elle est en cours. J'attends de voir si elle sera validée. Et validé, tant mieux. C'est pas validé, ben on va l'avoir dans Luc. Franchement, faut que j'aille où là? J'ai l'impression d'avoir pris le petit chemin pour rien. Salut Néon. Un vrai jeu propose un vrai défi. Ouais, mais faut pas oublier un truc, c'est que Elden Ring de base c'est quand même un défi, hein. Par contre le DLC, pas un défi, hein, c'est une sorte de demi-partie, hein. De toute façon, je voulais avoir un truc par rapport à Dead Rising, c'est pas le jeu que j'attends le plus ce mois-ci. Le jeu que j'attends le plus ce mois-ci, c'est le DLC de... Enfin... C'est le DLC maintenant de Mortal Kombat. Chaos Reign. Par contre, je le ferai pas en stream. Hein. Il sera en full vidéo, lui. Ouais, j'ai vu pour le troisième jeu Star Wars qui a été qui va conclure la péripétie de Cal Kestis. À chaque fois j'ai envie de dire Cal Kestis. En fait eux je veux les flinguer parce que... Oh. Ça file la blinde en fait. J'hésite à me le faire, c'est un jeu sur la difficulté. Ah, techniquement, oui, même si pour l'instant, par expérience, je dirais que je galère moins sur ce jeu que sur le Elden Ring premier du nom. Bah, jeu de base, plutôt. Mais il y a quand même cette petite difficulté, une certaine maîtrise à avoir. Maintenant j'avouerai que si t'as pas réellement d'expérience de jeu sur les Dark Souls, le Bloodborne ou Elden Ring, ça risque d'être un petit peu compliqué au début je pense. Et moi je me considère pas comme un expert dans ce genre de jeu.
surtout le seul que j'ai fini. C'est Dark Souls 3, Bloodborne, et pour Elden Ring, on l'a fait en coop, donc... Et je me ferais certainement insulter parce que j'ai fait des invocations sur... Elden Ring, donc... En fait, je sens qu'on doit descendre. Ah bah ouais, fallait descendre. Ah, on prend quand même les dégâts de chute. Oh, bâtard! Ah, c'est Black Flag, la belle époque, les gens, la belle époque! Le grand Ubisoft! Terminé le grand Ubisoft, hein. Il va falloir se faire une raison, Ubisoft est mort, les gens. Ah oui, d'ailleurs, pour ceux qui ont fini Black Myth Wukong, question con, justement. Question con par rapport au NG+. Les ennemis sont plus difficiles ou pas? Le prochain Death Stranding, The Beach, ça va donner quoi? Ah, je sais pas, je t'avouerai que Kojima, ces jeux ne font plus rien en vrai. Je dis. C'est con, hein, à chaque fois que je le dis, hein. Je comprends tout à fait qu'il y a encore des personnes qui respectent Kojima, mais moi je le respecte plus du tout, le gars. J'ai l'impression que ce mec, il a plus rien à dire, hein. Oh. Il y a quelque chose à faire dans cette zone, mais. Quoi? Ouais, c'est vrai, Far Cry 3, chez Dev d'Ubisoft, ça, je le démentirai pas. Le 4 aussi, j'ai bien aimé, Primal était excellent ici aussi. Et après, à partir du 5, tu sens que ça part en couille. Attendez, genre, parce que là je suis vraiment paumé, je sais vraiment pas où on va se rendre. Ouais, bah. Allez, petite. Pigman là. Franchement, chez Ubisoft, je verrais bien un remaniement intégral de toutes les équipes. Je pense que ça leur ferait pas de mal. Qu'est-ce que je loupe? J'ai vu toi, oh. Allez, viens. Ah, d'accord. C'est un... 3, toi. On va pas se plaindre, ça fait XP un peu, mais... Tu worry. Face. C'est pas ce qu'on cherche dans cette zone. Oh mais sérieux, oh, le gangbang interracial là. On a une chauve-souris, un singe et un homme. C'est pas un gangbang interracial, je sais pas ce que c'est ça. Ah non, excusez-moi, c'est un homme. C'est pas une chauve-souris, c'est un homme oursport. Ceux qui ont la ref. Pour ou contre le wokisme? Ah! Pour et contre en vrai. Je pense que le wokisme n'a rien à foutre dans les jeux vidéo. Par contre, pour dénoncer certains faits dans le monde, c'est pas trop mal en soi. Pour moi, dans le jeu vidéo, non. Ça a clairement pas sa place. Qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi il cherche son arme lui?
Oh, tu me fais peur, toi. Allez-y, mes amis. Hey, bim. Il me fait peur, il me fait peur. Amour Sport, South Park. Sérieux, vous vous souvenez pas de South Park avec le Moussport, avec Al Gore? Ah d'ailleurs, j'ai un peu en wokisme. Vous avez vu qu'apparemment, il y a le CEO de Saber, ceux qui justement nous ont fait Warhammer, se fait attaquer de partout par la presse américaine parce que justement il a fait un commentaire pour ceux qui connaissent Asmongold sur une de ses vidéos où est-ce que basiquement il a dit que les jeux devaient être faits pour pouvoir s'amuser et prendre énormément de plaisir à jouer plutôt que de passer un message politique à la con derrière à chaque fois. Franchement, quand le gars de Saber a dit ça, ah, il a gagné tout mon respect. Il a gagné tout mon respect, le gars. Ah oui, c'est sûr, hein, il a raison, hein. Le problème, c'est que ça, ce genre de commentaires, ça plaît pas à la presse, parce que la presse américaine, je sais pas si vous avez remarqué un petit peu, si vous regardez les Kotaku, etc. Même PC Gamer, hein, par exemple. Ça devient n'importe quoi, leurs journalistes, hein. Il y a plus de neutralité, hein, c'est moche que je vais dire, hein, mais c'est maintenant, c'est full woke et pro-LGBTQ, hein, c'est un truc de fou, hein. Je sais pas si vous vous souvenez quand il y avait eu, bah, rien que Starblade, le nombre de journalistes américains qui ont... Il y a même eu un média français qui a critiqué Stellar Blade sur la plastique de Eve. Je sais pas si vous vous souvenez. D'ailleurs, le gars, il s'est pris, le français, il s'est pris tellement une grosse tollée qu'il a édité son article. C'est vrai que Ubisoft a créé Sweet Baby. Alors, à mes souvenirs, c'est pas spécialement Ubisoft, mais il me semble avoir lu quelque part que ce sont des anciens d'Ubisoft qui ont créé Sweet Baby. Qui serait pas étonnant, sachant que justement Sweet Baby est une société canadienne. Et que maintenant Ubisoft, on va pas se mentir, n'a plus rien de français. Oh bordel, je t'avais pas vu. Ils ont critiqué cette bête qu'elle était trop sexy et quand ils ont corrigé ça, les joueurs ont gueulé car elle n'avait plus rien. Ah si, hein. Ah oui, tout à fait, hein. Je comprends tout à fait que les gamers aient gueulé justement par rapport à la censure qu'il y a eu sur cette tenue. Mais même avec la censure, il y a des tenues, qui sont carrément sacrément sexy dans Stellar Blade, hein. Et tenue, ça ferait bander un mort, hein, si vous me permettez l'expression. Hein. D'ailleurs, j'ai hâte que Stellar Blade sorte sur PC et qu'on puisse justement avoir les mods qui vont restaurer les tenues censurées. Bah, bizarrement, la tenue, la pile, j'en suis absolument pas fan. Je sais pas, le coup de la tenue lapine, je sais pas, c'est... Je trouve qu'il y a mieux en vrai que la tenue lapine. Ah d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu récemment, il y a eu un article comme quoi Naoki Yoshida a dit aux gamers PC de ne pas créer des mods olé olé pour FF16. Ça m'a fait rire intérieurement parce que si vous saviez le nombre de mods olé olé qu'il y a juste sur Final Fantasy XIV Online, c'est un truc de fou furieux. Bon, alors là je commence à péter un plomb parce que je ne sais pas où je dois aller. À mon avis je dois aller là-bas. Mais pas descendre ici, peut-être de l'autre côté. Franchement les gens, si vous saviez le nombre de mods qu'il y a sur FF14 pour foutre son perso à poil, c'est hallucinant. Ah ben non, fallait monter là, mort d'ailleurs, j'avais pas vu.
Ça, vous inquiétez pas, hein. C'était un bête quand il va sortir sur PC. Les mods pour foutre rêve à poil, ça va être la masse, hein. On dit regardez Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake, le nombre de tenues nudes mod qu'il y a pour foutre les persos à poil. Hallucinant. Et que ce soit les femmes ou les hommes, hein. Genre Léon avec son gigadong. Ouh là là, t'es qui toi? Genre, je crois qu'ils ont mis à Léon un pénis de... facilement 20-30 cm. Oui, c'est vrai, BG3, t'as même pas besoin de mod justement pour foutre ton perso à poil. Même Cyberpunk, t'as pas besoin de mod pour le foutre ton perso à poil. Hein. C'est littéralement intégré dans le jeu. C'est là que tu reconnais les bons devs. Bon, par contre, ce qui me fait rire, c'est les devs qui permettent de foutre une caquette à son personnage féminin. Parce que oui, moi, VL avait une caquette, ok. J'ai fait juste pour le fun. Je pense qu'il y aura un Destiny 3. Non, par contre, je pense que Bungie va mourir... après la sortie de Marathon. Parce qu'apparemment, pour Marathon, ils envisageraient de le vendre. Ce qui est totalement une erreur. Ouais, ouais, c'est bon. Saute, singe. Mais putain, mais... mais t'es sérieux? Donc je prends un coup, je tombe. Enfin, je... Mais suicide-toi. Il veut pas suicider. Bon, ça avec quoi? Et là, bizarrement, il y a un mur invisible, hein. Pourquoi est-ce qu'ici, il y a un mur invisible et juste avant, il n'y en avait pas? Voilà, vas-y, viens, allez. Allez, mano, mano, allez, tape-moi. Allez, vas-y. Merci. J'avoue que ça, par moment, je plains un petit peu les joueurs console, vous voyez, parce que sur PC on a les mods, on peut foutre nos persos à poil, tout ce qu'on veut, on peut même limite refoutre Mister X en string et en tong, alors que les joueurs console, eux, malheureusement, ils doivent payer leur jeu 80 boulas et ils peuvent même pas les modder, quoi. Alors que nous, on paye 40, 50 euros en max. Mais c'est sûr, c'est vrai qu'il faut mettre un petit peu le prix, hein, dans le PC. Hein. Bon allez, pas tomber, ex. Pas tomber. Oula, attendez, il y a un chemin ici. Ah bah non. Ah putain, petit bâtard. Ah putain, petit bâtard. J'arrive. Oh les petits bâtards. Oh putain. Le fun. Le fun. C'est ce qu'on aime dans Black Myth Wukong. Aïe, y a enfin des passages où est-ce que les ennemis te violent le derche.